Pour te dire que nous allons travailler les nombres relatifs, donc les calculs, qu'on commence en cinquième. Dans les positifs, ça t'a l'habitude, mais surtout il faut t'habituer dans les négatifs. Je te félicite de travailler, d'essayer de comprendre. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo et à tout de suite! Le calcul avec les nombres relatifs, c'est-à-dire dans les nombres positifs et dans les nombres négatifs. Alors là, on va parler des additions et des soustractions. Alors, vous imaginez la règle que je vous ai préparée là, que c'est un thermomètre. Donc, il faut essayer de réfléchir en termes de température. Et donc, par exemple, si vous avez normalement, donc par exemple 2 plus 5, vous savez très bien que vous faites 2 plus 5, donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous avez fait un bond de 5. Et vous êtes sur le petit trait 7. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Alors quand vous étiez en CP, vous comptiez sur vos doigts. Donc là, bah, vous pouvez faire la même chose quand on est dans les négatifs pour pouvoir s'habituer. Alors, par exemple, si je vous dis 3 moins 4. Alors ça peut être difficile, alors on part toujours du 0 évidemment. Donc 1, 2, 3. Et donc on va faire moins 4. Alors moins 4, on va partir dans l'autre sens, dans les négatifs. Donc on était à 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, là je viens de compter 4 bons. Ici, là j'ai fait moins 4 dans ce sens-là. Et je suis sur le petit trait, moins 1. Donc imaginez, il faisait 3 degrés. La température a baissé de 4 degrés. Donc du coup, il fait moins 1. Il gèle, on est en dessous de 0. Donc cette règle, ce thermomètre, donc vous représente les chiffres, les nombres, qui vont donc jusqu'à plus l'infini, moins l'infini. Alors ces petits 8 là couchés, ça veut dire infini. Donc plus on avance par là, c'est infini, 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 on peut jamais s'arrêter. Donc plus l'infini et par là moins l'infini. Bon, pour l'instant, au collège, ça, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est encore moi. Donc, un petit complément sur les nombres relatifs. On va insister sur les nombres négatifs. Dis-moi si tu comprends. Dis-moi si tu veux d'autres vidéos sur les nombres relatifs. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. Alors, je vous fais un complément sur les calculs dans les nombres relatifs. Alors, par exemple, on va faire moins 2, moins 3. Alors, je vous laisse réfléchir. À votre avis, combien ça fait? Il y en a très certainement qu'on trouvait, évidemment. Donc, alors, on part du 0 et on compte. Moins 2, 1, 2. Je pars dans ce sens-là parce que c'est moins 2. Donc, 1, 2, je suis là. Et après, moins 3. 1, 2, 3. Donc, je pars de moins 2. Je fais un bond de 3 petits ponts, quoi. 1, 2, 3. Et donc, je suis sur le petit trait, moins 5. Donc imaginez, moins 2 degrés, moins 3 degrés. La température a donc bien baissé. Et maintenant, il fait moins 5 degrés. J'espère que vous avez compris. Je peux vous donner d'autres exemples si vous voulez. Par exemple, on va faire 5 moins 12. Des nombres un petit peu plus grands. Donc 5, 5 c'est sous-entendu plus 5. Quand on met rien, ça veut dire que c'est positif. Donc plus 5, on part du 0. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je suis sur ce trait ici. J'ai fait plus 5 pour mon premier numéro. Et donc moins 12. Donc je vais repartir dans l'autre sens, moins 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis là. Là, j'ai fait un gros bond de moins 12. Et je suis sur le petit trait, moins 7. Voilà. Et ben, on va commencer tout de suite. Donc là, on a moins 3. Plus 5. On doit simplifier et calculer. Donc on va simplifier cette écriture parce que vous voyez, à chaque fois on a des parenthèses, on a plusieurs fois l'opération plus ou moins. Et donc on peut simplifier. Première opération,
Pour moins 3, là, les parenthèses sont inutiles. Elles ne servent à rien. Donc, c'est tout simplement moins 3. Ensuite, ici, plus par plus. Plus, plus. Si vous avez vu ma première vidéo, plus par plus, le résultat, ça fait plus. Donc ici, plus par plus, ça fera plus. Et donc, 5. Là, j'ai simplifié l'écriture dans un premier temps. Maintenant, je la calcule. Moins 3, plus 5. Alors là, on a besoin de notre thermomètre, notre règle de calcul. Donc je la fais, 1, 2, 3, et dans l'autre sens, moins 1, moins 2, etc. Donc là, on est à moins 3. Donc je me place sur le 0 et je vais compter moins 3 dans ce sens-là. 1, 2, 3. Donc je suis sur le petit trait, moins 3. Et maintenant, je dois faire plus 5. Donc moins 3 plus 5, je vais faire 5 bons. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve donc ici. J'ai fait 5 bons, plus 5. Je me retrouve sur le petit trait, plus 2. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Si vous réfléchissez en termes de température, moins 3 degrés, la température monte de 5 degrés, il fait 2 degrés. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on a 6 plus moins 8. Alors 6, pas de souci. Plus moins 8, donc plus par moins. Donc on reprend mon petit tableau, je vais mettre ça ici, plus par moins, les signes sont différents, donc ça fera un résultat négatif. Donc ça fera moins 8. Maintenant on calcule, 6 moins 8, alors 6 moins 8, je suis sur ma règle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant je vais faire moins 8, donc je pars dans l'autre sens. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tombe sur le petit trait, moins 2. 6 moins 8, il fait moins 2. Effectivement, s'il faisait 6 degrés, la température chute de 8 degrés, il fait moins 2. Ensuite, on a moins 2 plus moins 4. Alors, le moins 2, les parenthèses ici sont inutiles. Plus moins 4. Alors, toujours pareil, là, les signes sont différents. Plus par moins, le résultat, ce sera moins. 4. Alors là, l'opération, moins 2, moins 4. Donc là, on n'est que dans les négatifs. Moins 2, moins 4. Donc, si on reprend la règle, ou le thermomètre, hein, vous appelez ça comme vous voulez, donc on part du 0, on compte moins 2 dans ce sens-là vers la gauche, puisque c'est négatif. Moins 2, donc 1, 2. Et moins 4, on continue. 1, 2, 3, 4. Je suis sur le petit trait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis dans les négatifs. Moins 6. Voilà. Ensuite, on a moins 6. Pas de souci. Ici, moins par plus. Les signes sont différents. Ça sera moins. Moins par plus. Donc, moins 1. Et après, on a plus 4. Alors, moins 6, moins 1. On est dans les négatifs. Ça fait donc moins 7. Moins 7 plus 4. Donc là, on repart dans l'autre sens. Donc on est à moins 7. Donc vous pouvez compter avec le thermomètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans ce sens-là. Et donc plus 4. 1, 2, 3, 4. On se retrouve sur ce petit trait. Là, on a fait un bond de plus 4. Donc ça fait, on est sur le petit trait, moins 3. Voilà, maintenant on a 10 plus moins 2. Plus par moins, ça fait moins. Donc le résultat, ça sera donc un moins 2. Ensuite on continue, plus par moins, ça fait moins, les signes sont différents. Et 5. Donc 10 moins 2, ça fait 8. 8 moins 5, ça fait 3. Voilà, et maintenant le dernier. Moins 2, moins moins 3. Alors là, le signe, moins par moins, moins par moins. Donc les signes sont les mêmes. Donc, moins par moins, si vous reprenez mon petit tableau dans la première vidéo, moins par moins, ça fait plus. Quand ce sont les mêmes signes, ça fait plus. Donc le résultat, ce sera plus. Donc l'opération, en fait, c'est moins 2 plus 3. Moins 2, donc on reprend, je vous refais une règle ici, pour que ce soit plus simple. 0. Alors, on part vers la gauche puisque c'est moins 2.
1, 2. Donc là, je suis en moins 2. Et donc, je dois faire un bond de plus 3. 1, 2, 3. Là, j'ai fait un bond de plus 3. Et je suis sur mon petit trait 1. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. Juste pour te dire au revoir, je te félicite d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Tu peux la revoir encore, hein, puis tu l'as fait en plusieurs fois, bien entendu. Donc, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. On est samedi matin, donc bon week-end. Ah oui, au fait, je voulais te dire, si tu n'es pas encore abonné, c'est pas bien. Abonne-toi. Et puis, pense à mettre un petit pouce en l'air. Parce que comme ça, ma vidéo sera mieux référencée. Puis bon, un petit pouce en l'air, ça veut dire que t'as aimé, hein, donc ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? De faire des commentaires. Voilà, surtout des positifs, je préfère.